Vous vous êtes appuyé sur des ressorts très forts, des ressources humaines de qualité qui vous ont accompagné dans la réalisation de votre vision. Et parmi ces ressources, l'une qui s'est le plus fait remarquer reste incontestablement le ministre Abdoulaye Doussa, qui a été là depuis le début et a fréquenté plusieurs rôles de responsabilité qui lui ont permis de capitaliser une expérience forte en termes de gestion administrative, mais aussi de participation aux instances les plus significatives de prise de décision. Du coup, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en passant par les ministères du Tourisme et du Transport aérien, de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, il a un parcours honorable. Partout où il est passé, il a laissé des empreintes indélébiles positives. Certains ont même tendance à regretter son départ. Aujourd'hui, son style de management au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale montre à suffisance qu'il est incontestablement un excellent leader parce qu'il continue de faire des résultats plus que satisfaisants dans cette crise sanitaire. Il secoue le monde entier avec ses nombreuses bras. Il s'est positionné en première ligne pour réaliser l'offensive de cette riposte conformément à vos orientations. L'une des preuves les plus remarquables qui font qu'il a réussi sa démarche managériale, c'est les mesures qui ont été recommandées aux autorités de façon inclusive et participative à travers le CNGE, qui par la suite détermine les positions à prendre en matière de lutte contre cette pandémie. Mais aussi, le dynamisme dont il a fait montre avec la construction. Certains de ses collaborateurs, depuis le début de la pandémie, ont été recrutés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cela montre à suffisance qu'il a su détecter la bonne grève. Il a pu se faire entourer de ressources humaines de qualité, conformément à vos orientations. Excellence, nous, David Dakar, pensons que pour toutes ces raisons, Abdoulaye Doussa, ministre de la Santé et de l'Action sociale, maire de la commune de Yoff, coordinateur de la convergence des cadres républicains, constitue un modèle en termes de bonne gouvernance.